La laiterie était construite sur la rive gauche du Nesson, affluent du Néblon, au bord de la route d'Ouffet à Amoire et presque contre le pont. C'est en 1905, à l'initiative du curé Paquet et de Jean de Favreau, qu'une société coopérative est constituée pour le ramassage des produits laitiers et la fabrication de beurre et de maquille. Claudine de Waas, épouse du baron Paul Michel, avait apporté 5000 francs au capital de la société. On ne connaît pas le montant exact de ce capital de départ. La description du bâtiment n'est plus à faire. De nombreuses cartes postales permettent de voir ce qu'il en était. Le baron de Favreau était donc propriétaire du terrain et du bâtiment et les louait à la coopérative pour 150 francs l'an. L'eau nécessaire était captée un peu en amont sur la rive droite du Nesson. L'électricité était produite par une génératrice actionnée par un moteur à essence d'abord, diesel ensuite. Nombreuses femmes de Genneret travaillaient à la laiterie et un vieux camion forte, conduit par Félicien Aide, ramassait les produits laitiers. Tous les cultivateurs de Genneret, Ouffet, Warzé, Hoquier et Borlon rendront hommage au digne curé de Genneret qui, sans le moindre intérêt personnel, a mené cette nouvelle création à bonne fin. Pour mémoire, le directeur de la laiterie s'appelait Delvozal. Il a longtemps habité une maison qui se trouvait à gauche de la route en descendant d'Ouffet, à hauteur de l'entrée du château. Cette maison a également été détruite. L'activité s'est terminée après quelques mois de guerre. Elle ne répondait plus aux normes exigées par l'occupant. Durant la période qui a suivi, la société a fini par être liquidée. En 1951, la laiterie a été démolie et ses matériaux vendus. Tout a été nivelé et il ne reste que le nom du lieu dit. L'abri sous roche, qui se trouve de l'autre côté du Nesson, a été appelé autrefois la grange d'Adam. Quelqu'un l'aurait-il utilisé pour y rentrer ses bêtes en y adjoignant un auvent? S'appelait-il Adam ? Ce nom pourrait être plus ancien.